terminer la page de témoignage. To conclude this page of testimony. Il y a notre petit qui voulait chanter. We have our young one who wanted to sing. Et pour la petite histoire. For a little story. Il a commencé à jouer le drum lorsqu'il avait 8 ou 9 ans. He began to play the drum when he was 8 years old. Et petit à petit, il avançait et avec l'aide de Dieu, il est en train d'avancer encore. And slowly he started to go forward and with the help of God, he has continued to move forward. Et chaque fois je lui demandais d'apprendre à jouer au piano. And every time I was asking him to learn how to play on the keyboard. Mais à l'école, il n'a pas eu cette chance-là. But at school, he didn't have that opportunity. Et cette année, il m'a dit, papa, moi, je veux entrer dans l'école de guitare. And this year, he told me, Dad, I want to go and practice the guitar. Et cela, je voudrais en tout cas que vous puissiez m'acheter une guitare. And I want you to buy me a guitar. Et cela a été fait. And we did that. Il y a presque 2 mois. It's been about 2 months. Je lui ai dit que, en tout cas, pour mieux connaître, c'est mieux d'apprendre. Tu apprends à l'école et tu exerces à la maison. And I told him that to learn better, you have to practice at school as well as at home. Et il y a 2 mois qu'il a commencé. And it's been 2 months since he started. En tout cas, le début n'est pas mal. The beginning was not too bad. Il est en train de se débrouiller. He is working his way. Et il a demandé de chanter aujourd'hui. And he wants to sing today. Et c'est pour cela que nous lui accordons ce temps pour qu'il puisse chanter quelque chose. And that's why we're going to allow him this time so he can sing something. Amen. Nous allons l'accompagner ceux qui connaissent la chanson. We're going to accompany him, those that know the song. Amen. Glory to God. Great is our God.
mettre sur le chemin, il va